Le Bar du Soleil est le premier bar de plage qui est créé à Deauville à la fin des années 20. Il s'inscrit dans la continuité des bains pompéiens et des planches de Deauville. C'est à la fois un lieu mondain, mais aussi un lieu très populaire, un lieu qui rassemble tout le monde et un lieu où on croise tout le monde. Evan Dongen prend ses habitudes au Bar du Soleil dès son ouverture dans les années 30, et à l'époque, les parasols sont rayés. Et puis il revient après-guerre, bien évidemment, à partir de 1948-1949, et là, il a une surprise, c'est que les parasols sur la plage de Deauville ont changé. Effectivement, la ville de Deauville, à partir de 1948, abandonne les parasols à rayures pour mettre en place les parasols que l'on connaît aujourd'hui, des parasols qui sont cinq couleurs. Ce sont les cinq couleurs du blason de Deauville, l'orange, le bleu, le jaune, le vert, le rouge. Et ces cinq couleurs donnent effectivement une dimension chromatique à la plage de Deauville qui va fasciner les peintres, qui va fasciner les photographes. Et évidemment, Van Dongen, lorsque dans les années 60, il reçoit commande de faire un tableau et une affiche pour le centenaire de Deauville, tout naturellement, il va dessiner et peindre ce bar du soleil et il va le peindre avec une vue sur ses parasols qui sont autant de couleurs surgies de sa palette pour vivre sur la plage.